Jean Desquet est depuis son enfance un passionné de pêche. Aujourd'hui membre de l'équipe de France, il va nous montrer comment il pratique la pêche au coup. Il y a un peu de fouillis. Tout d'abord, observons-le récolter le fouillis. Équipé d'un wader, il ramasse la vase à l'aide d'un sac en toile maintenu ouvert par un cadre en bois. Il prend soin de ne ramasser que la surface de la vase, là où se trouve le fouillis. En secouant la récolte dans l'eau, la vase est évacuée. Le fouillis mélangé aux brindilles est versé dans une bassine qui suit. La purification du fouillis se fera ailleurs, dans une eau plus claire. On la met dans un seau avec de l'eau, de façon à ce que les cailloux restent sur le fond. Je touille la vase dans l'eau, ce qui permet de bien la diluer, et les cailloux descendent au fond du seau. Ce qui va me permettre d'évacuer les cailloux. Alors on prend le tamis, l'épuisette. Je n'ai plus qu'à basculer l'eau du seau dans l'épuisette. Comme cela. Voilà, encore un peu. On refera une deuxième opération et comme ça les cailloux restent au fond du seau. Voilà. Maintenant il me suffit de brasser les épuisettes dans le tamis, comme cela. Alors le fouillis est évacué par les mailles de l'épuisette, ainsi que la vase la plus fine. Tous les déchets, feuilles, morceaux de bois, tout ça, vont rester dans l'épuisette. Me permettra de faire un premier écrémage. Voilà, je ne jette pas parce qu'il reste un peu de fouillis coincé dans les feuilles. Maintenant, je finis d'évacuer la vase fine à l'aide du tamis. Et le fouillis est pratiquement pur. Voilà. Alors, j'évacue toujours l'eau, parce que si on laisse l'eau, comble de tout, le fouillis risque de se noyer. Donc il faut toujours évacuer l'eau. Voilà. Dans le seau. Et c'est prêt à pêcher. Bon, le fouillis est vraiment sale. Hein. Il va falloir le décanter. Alors pour cela, je vais utiliser le décanteur. Alors, le décanteur, c'est un bac flottant. Au fond, il y a une toile très très fine qui empêchera de passer le fouillis. Alors, elle flotte à l'aide de deux
plaque en polystyrène, ce qui permet à la grille qui est placée dessus d'être juste à fleur d'eau. Et quand je vais mettre mon fouillis avec la vase, le fouillis va passer à travers et la vase va rester sur le tamis de dessus. Voilà. Bien l'étaler sur toute la surface du décanteur pour qu'il passe plus vite. Et il ne faut pas mettre une trop grosse épaisseur parce que sinon le fouillis a tendance à ne pas vouloir passer, il reste coincé dans l'herbe. Voilà, là, il n'y a plus qu'à attendre. Maintenant, le fouillis va être égoutté. C'est une opération indispensable pour conserver le fouillis vivant. Jean verse le fouillis dans un voile très fin qu'il va serrer fermement pour bien évacuer l'eau. Il n'y a plus qu'à le mettre dans du papier journal pour le conserver. Voilà le fouillis bien propre et ce qui a été retiré du fouillis. Nous sommes ici au bord de la rivière l'Eure. C'est une rivière où il y a beaucoup de petits poissons, des gardons et des ablettes. Jean va utiliser des lignes assez fines pour attraper ces poissons. Nous allons assister à une pêche classique de petite rivière. Jean s'installe confortablement au bord de l'eau. Un système de pieds réglables maintient le siège en bonne position. La bourriche est mise à l'eau pour conserver le poisson vivant jusqu'à sa libération.
À tout hasard, l'épuisette est montée en cas de gros poisson. Jean choisit une canne roubaisienne à emmanchement inversé pour pêcher à 9 mètres. À cette distance, le poisson est moins méfiant, car les bruits de l'installation au bord de l'eau lui parviennent plus difficilement. Le sillon est équipé d'un élastique intérieur. Alors, ici, on va pêcher le gardon. Le choix de la ligne est très important. Jean va utiliser pour cette pêche une ligne de 6 centièmes avec un hameçon de 20 et un flotteur de 0,40 g. La ligne est fixée sur le sillon. Il faut toujours très bien sonder sa place de façon à repérer le lieu d'amorçage et être sûr que l'amorce va bien rester à l'endroit où on la jette. Il ne faudrait pas qu'une trop grande pente fasse rouler les boules qui attireraient le poisson plus loin que l'on ne voudrait. La préparation de l'amorce joue un grand rôle dans le succès de la pêche. À cet endroit, comme il n'y a pas trop de courant, Jean va utiliser une amorce qui ne colle pas trop. Pour la pêche du petit poisson, il est conseillé de ne mouiller l'amorce qu'au dernier moment. De cette façon, l'amorce continue de travailler dans l'eau. Le mélange d'aujourd'hui sera composé d'une amorce d'étang qui ne colle pas trop, d'amorce de fond pour la recoller un peu, et d'un additif qui est un parfum spécial pour la friture. Un bon brassage va rendre le mélange homogène. Attention de ne pas mettre trop d'eau. Une amorce trop mouillée n'est plus efficace. Il vaut mieux en rajouter en plusieurs fois, il est même conseillé de garder un paquet en réserve pour rattraper une amorce trop mouillée. Manque un petit peu. L'amorce est prête quand on peut faire une boule compacte et la défaire pour la remettre sous la forme initiale de farine. Une amorce bien tamisée, sans grumeaux, se défera mieux au fond et attirera plus efficacement le poisson sur le coup. Jean se passe autour du cou un dégorgeoir utile pour retirer l'hameçon du poisson.
une quantité réduite de fouillis dans l'amorce sera suffisant pour attirer le petit poisson. Jean pratiquera sûrement une pêche au rappel. Il rajoutera au fur et à mesure de la partie de pêche du fouillis dans les boules. La consistance de la boule semble parfaite. Le pressage des boules, 7 à 8, se fait au dernier moment pour qu'elles restent bien en forme au moment de l'impact avec l'eau. Ce n'est qu'au fond de l'eau que la boule doit se défaire. La réussite de la pêche dépend de la précision du tir. L'intérêt de pêcher avec une canne à emmanchement est de limiter la bannière et de gagner en précision au moment de la touche. Jean met un beau verre de vase sur un hameçon de 20. C'est la lèche absolue pour pêcher le gardon, la blette, tout ce qui est friture. Il ne reste plus qu'à attendre 10 à 15 minutes avant que le poisson arrive. La première touche est une ablette. Les ablettes arrivent le plus souvent avant les gardons. Quand le verre de vase est trop petit, on peut en mettre deux. L'attention du pêcheur envers le flotteur doit être infaillible. Un peu de rappel pour exciter le poisson et attirer le gardon. Un petit relâché pour provoquer la touche, bien laisser partir, et le poisson est pris. Un premier gardon qui arrive, le rappel a fait son effet. Avec le dégorgeoir, on décroche le poisson sans le blesser. Le poisson commence à bien arriver sur l'amorce et les touches se suivent. C'est un gardon qui est à la taille moyenne des gardons de cette rivière.
Voici un joli gardon. Le fil de 6 centièmes est à la limite de la rupture. Avant de relâcher les poissons, Jean veut apprécier ses prises. Une jolie pêche de gardon. Sur ce parcours, il y a beaucoup d'espèces de poissons. Gardon, goujon, perche, ablette, un petit chevel, un gardon plus joli, avec des belles nageoires rouges. Oh, il retourne à l'eau. Aujourd'hui, nous sommes à l'étang de Saint-Georges. Jean va pêcher la brème, en pêche au cou. C'est un étang peu profond où il y a brèmes et gardons. C'est aussi un étang capricieux où parfois on ne prend pas de poisson. On constate qu'avec un petit peu de vent, l'étang est plus généreux. Jean va utiliser des asticots plutôt que du fouillis, car sur ce parcours, les brèmes les préfèrent. L'amorce regroupera le poisson en un endroit bien précis où il suffira de pêcher dessus pour attraper les poissons. Jean fait un mélange d'amorce d'étang et d'amorce à gros poissons de façon à maintenir les brèmes sur son cou. C'est une amorce assez collante. Pour éliminer les castères, les asticots sont déposés sur un tamis. Du fouillis et des asticots sont mélangés à l'amorce. En étang, il n'est pas conseillé de mettre beaucoup d'asticots dans l'amorce. Ceux-ci ont tendance à ouvrir les boules d'amorce trop rapidement. Les asticots sont plutôt jetés à la fronde sur le cou. Jean lance une dizaine de boulettes pour positionner les poissons à l'endroit désiré. Pour être plus précis, il utilise sa canne comme repère et lance les boules à la hauteur du sillon. L'amorçage est complété avec des asticots propulsés sur le cou à l'aide d'une fronde. Pour démarrer, et parce que les premiers poissons pêchés sont petits, une ligne fine est utilisée avec un flotteur de 0,40 g, un fil en 8 centièmes et un hameçon de 20. La lèche sera un verre de vase. En général, il faut attendre 20 à 30 minutes avant d'avoir la première touche de brème. Déboîter la canne doit se faire avec précaution. Buter sur quelque chose risquerait de faire décrocher le poisson.
Voilà une jolie brémette. Le beau poisson commence à arriver. Je vais prendre la ligne plus lourde avec un hameçon plus gros. Comme ce sont des petites brèmes très nerveuses, il vaut mieux avoir un hameçon assez fort pour ne pas décrocher. Voilà, un hameçon de 16, c'est parfait. Avec un flotteur de 1 g et une ligne en 10 centièmes, les grosses brèmes seront plus facilement maîtrisées. Jean propose au poisson un panaché d'asticots et de verre de vase. Un rappel d'asticots à l'aide de la fronde. Les brèmes sont sur le coup. Il est à noter que lorsque les brèmes sont nombreuses sur le coup, elles aiment se rouler dans l'amorce. C'est ce qui explique qu'elles sont souvent attrapées par le dos ou ailleurs sur le corps. C'est la particularité de la brème. Elle est prise par Louis. Posé, je suis pris. Ouais, si t'as pas les élastiques souples comme ça, tu ne sors pas une. T'es décroché à chaque fois. Elle a de la puissance en boue un peu. Faut qu'elle tourne un peu. Là, ça y est. Ça va mieux déjà. Il faut avoir un gros élastique mais souple. Je pense aussi qu'il faudrait mettre ça debout ici. Mais moi j'en ai qu'un bout, regarde, il sort en paquet. Oui, mais ici ça sort comme ça. Le problème d'un élastique souple, c'est ça, c'est qu'une fois que tu as réussi à la maîtriser, après, elle a toujours de la puissance. C'est très bon pour le ferrage, mais c'est très mauvais pour le. Ici, si tu n'as pas ça, t'es baisé. Il n'y en a pas eu une prise par la queue. Il n'y a rien qui sortait de l'eau. Par la queue, elle est prise. Elle s'y sort, elle se roule, mais elle mange. Tu parles pour les ramener, la puissance qu'elles ont avec ça. Déjà qu'elles en ont quand on les prend normalement. Elle fait 800 points celle-là. C'est bon. Elle fonde de ce démarrage, c'est incroyable. Moi j'en ai une qui mange là-bas. Allez. Heureusement qu'elle a été prise par la gueule, parce que sinon, ce serait joli quand même, c'est bon. Elles sont bien belles et tout, elles sont pas malades. Voilà, une petite.
petite pêche de brème. Une jolie brème. Un beau gardon. Du perche. Ah, l'eau est pas mal ici, hein, tu vois. Ouais, c'est joli. Pour pêcher la blette, tiens, regarde, il y en a une qui a sauté. Oui, ça c'est pas mal. Puis il va falloir se tenir par ici, parce que tu vois, avec les arbres qu'il y a là, juste derrière, le soleil, on risque d'avoir le sol. Ouais, on va avoir de l'ombre. Alors il faudra mieux se mettre ouais, un petit va. Peu plus à l'aval. Pas pour pêcher la blette ici, c'est joli, il y a pas mal d'ablettes. Là où deux places, là. Jean et son ami Steve vont pêcher la blette dans la rivière, la Mayenne. Le choix de la place est très important. Il faut éviter les places trop à l'ombre. Steve s'installe le premier, c'est toujours le plus rapide pour pêcher. Pour pêcher la blette, il faut être très près de l'eau, dégager sa place si c'est nécessaire. L'amorce doit être à la portée de main car c'est une pêche de rappel où on est obligé d'amorcer à chaque coulée. De la blette, j'utilise toujours une canne télescopique avec un sillon souple au bout. Je n'utilise pas l'élastique. Une canne de 4 mètres ici sera suffisante. En général, je pêche soit avec une canne de 3 mètres, 4 mètres ou 5 mètres. Un flotteur allongé, style un petit peu comme une allumette. Je préfère au flotteur boule parce que c'est beaucoup plus sensible pour pêcher la blette. Du fil de 6 centièmes, c'est celui qui convient le mieux. Disons 6 ou 8 centièmes suivant la taille des ablettes. Je pêche toujours avec des cendrés, des petits plombs, que je regroupe de façon à avoir une plombée rapide pour que le flotteur se mette rapidement en position. Un hameçon de 24, parce que l'ablette étant un petit poisson, il faut éviter de pêcher avec des trop gros hameçons, sinon on a beaucoup de ratés lors de la touche. Donc voilà un petit peu le matériel que je vais utiliser pour pêcher l'ablette. Bon, bien entendu, des vers de vase les plus petits possibles, parce que plus ils sont gros, plus vous avez tendance à vous faire sucer le vers de vase et vous ne prenez pas le poisson. Et ensuite, on va utiliser une amorce de surface. Alors, il faut une amorce très légère qui va éclater au contact de l'eau. Je vais l'alourdir un petit peu avec du liant de surface qui permettra de, en même temps, de faire du nuage. Avec un kilo d'amorce, vous arrivez à faire une partie de pêche de 3 heures sans problème. Voilà, je vais mouiller l'amorce. Ce qui est très important, c'est de bien l'humidifier et de toujours tamiser l'amorce après l'avoir humidifiée pour éliminer les grumeaux. Alors, ce que je fais, je rajoute toujours le liant après avoir humidifié mon amorce. Alors, j'utilise une grande bassine parce que c'est plus facile pour brasser l'amorce. On humidifie beaucoup mieux. Voilà. Un petit peu d'eau encore. Voilà, pas trop. Voilà, ça va être prêt. On va rajouter un petit peu de liant. Voilà, il ne faut pas mettre trop parce que sinon ça aurait tendance à alourdir trop l'amorce. Elle risquerait de descendre trop profond et les ablettes vont suivre. Donc il ne faut pas rajouter trop, juste un petit peu de façon
à teinter l'amorce pour qu'elle fasse davantage de nuages en surface. Ce qui est très important aussi pour la pêche de la blette, c'est d'amorcer à chaque coulée. La fréquence d'amorçage conditionnera le fait que vous ayez votre poisson ou pas. Il faut amorcer peu mais souvent. Voilà, ça va être prêt. Il ne reste plus qu'à tamiser. On va vider l'eau. Et on va tamiser l'amorce. Voilà, grâce au tamis, ça permet d'éliminer tous ces grumeaux qui se forment lors du mouillage. Voilà, c'est parfait. Un tamis à maille moyenne convient très bien à faire cela. Action. Voilà, l'amorce est prête. Avec un kilo d'amorce, on fait 6 litres d'amorce humide. 1 kg d'amorce sèche, ça donne 6 litres d'amorce humide, ce qui convient largement pour faire une partie de pêche à la blette. Maintenant, je vais rajouter le fouillis de verre de vase. Alors, il ne faut pas en mettre trop non plus. Hein. Une petite pincée de fouillis, ça suffit pour les attirer. Et ensuite, vous arriverez à les maintenir avec l'amorce. Si vous mettez trop de fouillis, vous risquez de gaver les ablettes et de les perdre. Voilà, je mélange bien mon fouillis dans l'amorce. Voilà, c'est prêt. On va pouvoir pêcher les ablettes. Une amorce qui nage attire les ablettes sur le cou. Il faut une dizaine de minutes pour les rassembler. Steve, qui amorce depuis un moment, les a déjà sur son cou. Il tient une bonne cadence. En plaçant les verres dans son tablier, il gagne du temps pour accrocher son verre de vase. Si on veut prendre des ablettes plus grosses, il est conseillé d'amorcer 1 à 2 mètres en amont. En effet, les petites se rassemblent sur le nuage, tandis que les grosses mangent en aval. Il est plus efficace de pêcher d'une main et d'amorcer de l'autre. Décrocher.
les ablettes sont arrivées sur le cou de Jean. À chaque coulée, le poisson se fait prendre. Belle ablette. Joli rotangle. Belle pêche d'ablettes, 200 à 250 poissons, et même quelques gardons qui sont venus se faire prendre. Maintenant, sur le même coup, Jean va essayer de prendre du poisson sur le fond. Dans cette rivière, il y a de jolis gardons et quelques brèmes. Jean sonde la place pour savoir où amorcer. Il veut être sûr que les boules ne vont pas bouger. À cause du courant, il utilise un flotteur en forme de boule pour mieux contrôler sa ligne. Il rajoute du fouillis congelé. En effet, le fouillis vivant a tendance à partir dans le courant, au contraire du fouillis congelé qui reste dans l'amorce. Une grémille.
Pour prendre des poissons plus gros, Jean met deux asticots pinky rouges sur son hameçon. Quand il y a beaucoup de poissons sur le coup, l'asticot permet de sélectionner les plus gros poissons. Belle hybride, moitié gardon, moitié brême. Aïe, 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 aïe. Ah, un beau gardon. Oh, ce gardon. Il n'est pas pris par la bouche, il est pris par côté. On voit l'asticot qui passe. Ça, c'est un gardon. Gardon. Ah non, un gardon. Un gardon. Ça, c'est un beau gardon. Tu vois où c'est qu'il est pris, regarde. Ils y soufflent dessus au lieu de prendre. Non, il est dans les bras. Ah oui, t'as un père gardon aussi. Hein. Ah oui. Ça, c'est du gardon. Là. C'est même pas les hybrides. Hein. Non, 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 mais ça, c'est l'hybride. Non, ça, c'est bon. Voilà. Après la pêche d'ablette en surface, la pêche de fond sur le même coup. Avec deux techniques différentes, on prend des poissons différents. Après 1h30 de pêche, on peut remettre à l'eau 5 kg de poisson. Là, tout est reparti. Il n'y a pas un mort. C'est costaud les poissons de fond comme ça. Nous voici sur la Loire, à Avaray, pour pêcher le gardon dans le courant. Jean choisit un élastique assez dur, avec une grosse ligne, car le poisson est vigoureux. Il tirera très fort à cause du courant. Les asticots seront préférés au ver de vase. Jean va préparer une amorce collante et lourde pour que dans le courant, les boules bien compactes maintiennent le poisson. Un flotteur de 4 grammes est utilisé. Il pêche à l'asticot, deux asticots rouges sur l'hameçon. Le flotteur est muni d'une bague sur l'antenne pour pouvoir faire des relâchés sans que les flotteurs ne ressortent de l'eau. Le courant et le vent obligent à pêcher avec le sillon dans l'eau. Cela retient le flotteur et ralentit la coulée. C'est pas encore recousu, hein. Un premier gardon s'est fait prendre. Dans la Loire, le poisson est très bagarreur. C'est un poisson de courant très puissant. Quand il y a beaucoup de courant, il faut rappeler parce que l'amorce, même si elle est lourde, a tendance à se défaire trop vite. Voilà un chevesne qui a répondu au rappel. Les chevennes sont très gourmandes d'asticots. C'est la même chose que les autres. Qu'est-ce qu'il a dans le cornet? Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est les petits de 200 grammes. 150. Thank you.
Une jolie pêche de Loire, composée de gardons, de brèmes, de chevennes, des poissons vigoureux, très sains, pas écaillés, des poissons qui sont remis à l'eau avec précaution pour de prochains combats, peut-être.